Allô, Myriam pour la capsule potin, hollywoodpq.com. Les Hanson Brothers, qui étaient récemment de passage à Montréal, en ont profité pour faire une marche de charité avec leurs fans. Une marche qu'ils font pieds nus pour ramasser des sous pour le sida ainsi que la pauvreté en Afrique. Triste nouvelle pour le couple Emma Longoria et Tony Parker, puisqu'Emma vient de demander le divorce. Elle a cité comme raison « divergence irréconciliable ». Mel Gibson a admis avoir levé la main sur son ex-femme. D'après lui, elle mettait la vie de leur enfant en danger. Kevin Parent dut perdre 15 livres pour son tout premier vrai rôle au cinéma. Il interprète un DJ dans le film « Café de Flore » de Jean-Marc Vallée. Ça y est, c'est confirmé, Pink est enceinte. Le guitariste de Metallica, qui s'amusait à kicker des ballons lors de leur spectacle à Sydney, a par malheur, par accident, botté un enfant qui se cachait derrière un des ballons. Maintenant, espérons que l'enfant est correct. Jessica Simpson serait de nouveau fiancée et cette fois au beau Eric Johnson. Il lui aurait fait la demande la semaine dernière. On a hâte d'en savoir plus. Une fan suicidaire a menacé Lady Gaga en lui envoyant une lettre de menace de mort. La chanteuse a aussitôt obtenu une ordonnance restrictive et la fan a été condamnée par la justice. C'est ce qui conclut la capsule potin. À la semaine prochaine!